Bonjour. On va apprendre maintenant la section 5 et on vient de finir avec la section 4 avec notre arbre. Donc, il y avait beaucoup de tension avec la nature. Et là, on va plus dans un moment hip-hop. Donc, on a vraiment des problèmes avec l'environnement. Donc, on est ici et c'est pour ça que je vous ai dit arriver à 7. Parce qu'à 8, même si on est sur la jambe droite, on va replacer sur la jambe droite. Donc, il faut avoir un petit moment où est-ce que tu changes, tu mets ton poids sur la gauche pour pouvoir croiser ta jambe droite devant. Donc, d'ici 7, 8, croise ta jambe. Maintenant, on va changer d'orientation, on va aller vers la gauche, on va croiser la jambe gauche devant. Et on va rester là, on va amener notre jambe droite en gardant notre corps vers la gauche. Avec des bras, donc tu as ta pose à toi. Et ensuite, on va croiser les bras, ouvrir les bras et recroiser. Les mains peuvent être au repos pour cette partie-là. D'ici, on va aller vers l'arrière. On va prendre trois pas. Un, deux, et le troisième, on va lever la jambe. Donc, ça peut être un pied relaxé lui aussi. Donc, on est ici, on fait un, deux, trois. En même temps que de faire ces petits pas vers l'arrière, nos mains vont enrouler et ensuite faire une pause comme si on avait peur, comme s'il y avait de la lumière qui nous éblouissait. Donc d'ici, on vient de croiser, on fait tourner, arrive. Oui, on fait ça avec des comptes, donc on vient d'arriver 7, 8 et croise, ouvre, croise et 4. Oui, donc les pas vont être très rapides et de 4. On refait ça. 7, 8, 1, 2, 3 et de 4. Très bien. D'ici, la jambe qui est levée va aller pivoter autour de notre jambe gauche. Les directions vont être comme un plus. Donc, on vient d'aller vers l'avant, maintenant on va aller sur le côté. On va aller vers l'arrière et l'autre côté. Et c'est bien important de garder votre nez et vos épaules dans la direction où est-ce que vous pivotez. Oui, les bras viennent d'être devant votre visage et maintenant, ils vont ouvrir et refermer. Quand on ouvre, on amène la tête vers l'avant et on la rapporte vers l'arrière quand on ramène les bras. Donc, ça ressemble à ça. Tu viens d'arriver ici, 4, on va ouvrir et pivoter, 5, referme, ouvre, referme, ouvre. Super. D'ici, on va prendre un pas, on va glisser un petit peu plus vers la droite et nos bras vont ouvrir. On va garder une posture, on ne va pas aller vers l'avant. On garde notre dos bien droit. Et on va venir en équilibre sur la jambe droite. Donc, la jambe gauche peut être pliée, allongée, elle est libre à vous. Et même avec vos bras, vous pouvez les avoir plus hauts, plus allongés, c'est à votre choix. Mais on va garder cette pose-là pendant deux comptes. Donc, on va faire ça du début. Donc, tu viens de finir 7, 8 et croiser. Ouvre et croise. Et 4, 5, 6, 7, 8. Et reste. 2, penche. 3, reste. Et on va faire les mouvements raides sur 4 et. OK? Donc, on recommence ça. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et. Génial. D'ici, on va continuer les pivots, mais cette fois-ci, on va le faire avec la jambe gauche. Donc, la jambe qui est dans les airs va se mettre sur le sol face au côté, face au mur. On refait vers l'arrière et on refait vers le côté. Oui, donc c'est les mêmes pivots, mais de l'autre côté maintenant. Les bras vont être opposés. Donc, au lieu d'ouvrir et de fermer, ils vont venir chercher quelque chose et ramener vers vous. Donc, on va faire ça, pratiquer avec moi. On ouvre et on va vers nous. On ouvre et on va vers nous. Et c'est vraiment à propos des coudes plus que les poignets. Donc, les poignets restent presque immobiles et c'est vraiment par rapport à aller vers toi. Donc, on va essayer ça avec les pivots. Tu viens de faire ton équilibre et reste. 1, 2, pli, 3, 4 et 5, 6, 7. Et on a presque fini. On va faire ça une dernière fois. 8, et on va ramener l'autre pied avec nous et on va s'accroupir en préparation pour la prochaine section.
Donc, on va essayer ça du début avec mes comptes. C'est parti. 7, 8 et croise. Ouvre, croise et 4. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et... Génial! Essayons la section 5 avec la musique. Trois et quatre, cinq, six, sept. Au équilibre. Trois, quatre et un. Sept, huit et. Essayons de combiner la section 4 et 5 maintenant. Donc, on vient de finir ici. Huit. Un, deux, trois, quatre et cinq, six, 7, 8 et cours, 2, 3 ou 4 et cours, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et reste, reste, 3, 4 et 1, 2, 3, 8. On essaie ça avec de la musique maintenant. Huit et un, deux, trois, quatre et pousse. Rebondis, sept, huit et cours. Trois, quatre, cours, six et un. Huit, trois, deux, trois, quatre et cinq. Six, sept, ouvre. Cinq, 7, 8 et 1.